Bonjour, Cyril Hanouna est malade. Bon, il avait posté ce message il y a quelques jours, donc le 2 décembre, on est le 4 quand même. Donc mes chéris, c'est la mort dans l'âme que je vous annonce que je ne serai pas à l'antenne ce soir. Première fois en 10 ans que je rate mon rendez-vous avec vous. Mais malheureusement, je suis beaucoup trop souffrant pour pouvoir assurer le direct. Je vous aime fort et je vais revenir. Donc entre-temps, eh bien, Benjamin Castaldi a dit que bon, c'était pas très grave, c'était une petite bronchite. Idem pour Valérie Benaïm. Je veux bien, mais une bronchite l'empêche pas de balancer de temps en temps des petits tweets pour rassurer un peu ses fans. Et là, pour l'instant, eh bien, silence complet, donc bronchite ou plus. Donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est vrai qu'il n'était pas du tout vacciné. Entre-temps, il s'est fait vacciner donc cette semaine, je crois, hein, en début de semaine. Et puis, bah, comme par hasard, donc il se fait vacciner. Et puis, 3 jours après, toc, bon, bah, il est malade. Alors il y a des gens qui, voilà, qui se disent, bon, peut-être qu'il a attrapé le Covid, etc. On n'en sait rien. Donc, comme on peut voir hier, pourcentage de la population ayant reçu au moins une première dose au 1er décembre. Donc là, on est 78%. Donc là, je ne peux pas savoir, on ne sait pas qu'a vraiment Cyril Hanouna, puisque bon, bah, tout le monde dit que c'est un petit rhume, etc. Mais je suis désolé, je sais que Cyril Hanouna balance beaucoup, beaucoup de messages sur Internet. Et là, depuis le 2 décembre, donc rien du tout, silence complet. Je suis désolé, j'ai eu une bronchite que j'ai encore un petit peu là, il y a 3 semaines à peu près, hein, parce que ça dure longtemps cette connerie. Eh bien, je suis désolé, moi, pendant ma bronchite, eh bien, je pouvais faire des vidéos et je pouvais surtout envoyer des messages. J'aurais pu dire, je sais pas, j'aurais pu donner des nouvelles tous les jours. Donc, il y a eu un hashtag sur Twitter, reviens vite, baba. Bah, il faut, comme dit là, c'est plutôt la direction qui dit ça, puisque bon, bah, depuis qu'il n'est pas là, donc ils ont perdu à peu près 400 000 téléspectateurs par jour depuis son absence. Allez, pour finir, allez, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, allez, bye bye.